So hello everyone, bonjour tout le monde. Today we are unboxing a new set of carp bite alarms, the Fox Mini Micron X detector set here in the 4 rods presentation set. Donc comme dit voilà, aujourd'hui on se trouve pour un unboxing, une présentation des détecteurs de touche de consacrés à la pêche de la carpe de chez Fox, le Mini Micron X, ici dans son set de présentation avec 4 détecteurs ainsi que sa centrale. So concerning the box, it arrives like that, in a box with a presentation set with all the explanations at the back concerning the Mini Micron X battery used, the different modes and buttons to use all the parameters and to personalize our bite alarms. Donc dans la boîte, voilà ce qu'on reçoit. Une boîte de présentation avec un petit peu d'explication sur le set de détecteurs, avec par exemple voilà, les différentes fonctionnalités, les différents modes pour la centrale ainsi que les détecteurs, et les différents réglages ainsi que le type de pile à utiliser pour le fonctionnement des détecteurs. Concerning the inner side of the box, what you receive here in this set of 4 bite alarms is a manual of explanation, one concerning the bite alarms themselves and one concerning the receiver, which you can see right there. You also get a small Fox tool, which you will have to use to put the batteries in, and as well as another side used to pair the receiver to the different bite alarms. You also get a Fox leash, which is quite nice. Only note, maybe I have to say, it's quite short. So for the ones that want to wear it around the neck, it could be quite short. It's more to put in a buoy on or another support. Concernant l'intérieur de la boîte quand on reçoit les détecteurs, ainsi que la centrale, voilà, donc les détecteurs en eux-mêmes, ainsi qu'un manuel d'utilisation du détecteur et un manuel d'utilisation de la centrale. On a aussi un outil Fox, donc qui est à un bout, d'un côté plutôt, un tournevis, et de l'autre un instrument poussoir qui vous permettra de binder, donc de lier votre centrale à vos détecteurs. A noter qu'ici, vous voyez donc voilà le set de présentation avec 4 détecteurs, vous recevrez dans tous les cas le même set de présentation, juste avec un ou deux détecteurs en moins. The manuals themselves, quite nicely made, I must say, with lots of pictures, explanations, all use of the different buttons and the functionalities of the receivers and detectors. Pretty much all language used here. From what I saw, you've got English, of course, then French, Dutch, German, Czech as well, Italian, Spanish, so I mean you can use it no issue, very very well made. Concernant les manuels, voilà comme expliqué, donc vachement bien fait, je prends celui de la centrale, vachement bien fait avec beaucoup d'illustrations, tous les modes qui sont expliqués, tous les boutons expliqués, bonne utilisation du détecteur, et alors comme on peut le voir, expliqué en différentes langues, de ce que j'ai pu voir, anglais, français, allemand, néerlandais, italien, espagnol, donc pour tout le monde. Juste une petite side note que j'ai oublié de dire, voilà la liche, donc complètement, enfin la dragonne ou liche on voulait appeler, complètement dépliée. À voir, voilà, c'est assez court, donc pour ceux qui comptaient éventuellement la porter autour du cou, ce sera un petit peu limite. Bon voilà, ça dépend du confort de chacun, mais voilà, pour moi en tout cas c'est un petit peu limite, donc c'est plus, on va dire, un accessoire, et la centrale sera plutôt posée dans un biwi ou ou sur un autre support. Batteries that the receiver and the detectors are using. The alarms are using LR1 1.5 volt batteries, which are these ones. Very small batteries, and I must say not easy to find. So be aware that the availability of the battery will also depend on the stores you've got in your area, so pay attention to that. And then concerning the receiver itself, then it's a standard AAA batteries they're using, so no issue at all.
Concernant les batteries qu'utilisent les détecteurs ainsi que la centrale, les détecteurs utilisent deux batteries LR1 1,5 volts, donc ils ont cette petite batterie ici. Attention, assez difficile à trouver, je dois dire, dans le commerce. Voilà, c'est en tout cas prendre en considération aussi par rapport à d'autres détecteurs du marché. Maintenant, voilà, fonctionne très bien. Juste à gaffe à arriver à en trouver, quoi. Concernant la centrale en elle-même, elle utilise des batteries classiques triple A, donc ça, aucun souci. Well, so concerning the alarms themselves, when they are shipped, you receive them like this in a presentation box, covered with a protection cover, which must say I read quite some complaints about them that they wouldn't hold, and must say I'm using a bit of pressure and they don't move at all, so quite surprised, but in a nice way. And then when you get it off, you've got your detector completely set. With the different functions, so here, as you can see, the different the LEDs, which are multicolor. You've got four colors from green, blue, red, and orange. Here, your toggle switch to set the alarm on or off, and here the three parameters button, starting with the volume, tonality, and then sensibility, which will be used one each other or together to use different functionalities, but I'll show that later on. Voilà, donc concernant les détecteurs en eux-mêmes, comme expliqué en anglais, ils arrivent comme ceci, donc avec un clapet de protection, on va appeler un capot, on va appeler ça comme ça. Un capot de protection, voilà, qui j'avais lu assez, enfin pas mal de commentaires là-dessus. Beaucoup disaient qu'il ne tenait pas en place et qu'il tomberait directement. Honnêtement, ici, voilà, avec un petit peu de pression, moi, je dis ça bouge pas, donc agréablement surpris, c'est un bon point. Et alors, une fois ouvert, voici le détecteur. Donc avec les deux LED ici qu'on peut programmer, qui sont programmables en quatre couleurs, donc rouge, orange, bleu et vert, avec trois niveaux d'intensité aussi que je montrerai tantôt. Le toggle switch pour allumer ou éteindre le détecteur, et alors les trois boutons dans l'ordre volume, tonalité et sensibilité, qui vous permettront de régler votre détecteur déjà indépendamment chaque fonction avec les boutons, et alors en plus en combinaison de deux boutons, d'autres fonctionnalités que je présenterai tantôt. Concerning the receiver, tiny receiver, you can see it compared to my hands. Very nice, good quality, I must say, quite nice, very light as well. You can see here, maybe you can see it, so you've got the antenna, then four LEDs lights, which will be paired with the different LEDs color with of the bite alarms, and then you've got here a push button, which is the one to turn the receiver on, off, and to adjust the volume as well. Here in the back, you've got the pairing button, with which you will use the push rod given by Fox, just to pair the detectors to your receiver. For the batteries, just a trap that you have to, a door that you have to slide and put on the two AAA batteries in, and you're ready to go. Voilà, concernant la centrale en elle-même, très petite centrale, je veux dire, comparé à mes mains, assez petit, léger et de bonne qualité, je dirais, c'est bien fini, c'est assez chouette. Pour les contrôles, pas grand chose, hein. Donc voilà, l'antenne ici du receiver. Ici, un petit bouton push qui sert à allumer, éteindre et régler le volume de la centrale. Et alors ici, encore un troisième petit bouton, ici en rouge, qui est utilisé avec le poussoir de chez Fox pour appairer la centrale aux différents détecteurs. Au niveau de placement de la batterie, c'est juste une petite porte à faire glisser. De nouveau avec un joint, donc faire gaffe de bien fermer, et deux piles triple A. I'll explain how to set all your alarms and receivers on and to pair them together, as well as the initial programmation regarding the colors and programmation of the detectors with the receiver. Voilà donc maintenant la démonstration de comment pairer, binder la centrale aux quatre détecteurs, tout en respectant à chaque fois, voilà, le manuel d'utilisation.
So to start, guys, you put the on-off button, 2 seconds to get the alarm on. There you go. Donc d'abord, on appuie sur le bouton on-off de la centrale pour allumer la centrale. Then, with the Fox tool, push 2 seconds on the red pairing button. Avec l'outil Fox, appuyez 2 secondes sur le bouton rouge de binding. And now the receiver should enter the binding mode with the Fox light flashing. Alright, guys. So just to demonstrate the use of the alarm. So now they are all completely paired with the receiver, which I can show with the blue one. So just to check, as you can see, blue is already paired with blue. On the detectors, different levels of volume. So here it's the minimum, just to demonstrate it. Level 1, 2, 3, 4, 5, 6, and silent for the number 7. As you can see, it's a silent mode, so only the alarm with sound and not the detector. So very nice when you were night fishing for carp. Donc voilà, pour démontrer, donc comme vous avez pu le voir, voilà 7 niveaux de volume. Et je veux dire assez puissant, le volume numéro 6 c'est vraiment assez fort pour un si petit détecteur. Et alors le niveau 7, qui est très intéressant pour pêcher de nuit ou alors pour tout simplement pas déranger le voisinage. Le mode silent, donc est le 7ème mode, comme vous pouvez voir, voilà, le silencieux n'émet aucun le détecteur n'émet aucun bruit, c'est la centrale qui émet qui émet le son pour les départs ou les touches. Regarding the sensitivity of the detectors, you've got 4 levels, so from the most sensitive at level 4 and the least sensitive at level 1. So here you've got level 1, level 2, level 3, and level 4 is really super sensitive. I'm just touching the reel and it's already beeping. So I must say level 4, even with some wind, you will get some missed bite alarms. You can see just moving it, it's already sounding, so voilà. Voilà, comme montré, donc 4 niveaux de sensibilité, hein, avec, comme je le disais, donc 1, 2, 3 et 4. Niveau 1 étant le plus bas et niveau 4 étant le plus haut. Niveau 4, voilà, vraiment extrêmement sensible, hein, il suffit juste de défleurer l'alarme pour que ça sonne. Donc voilà, avec un petit peu de vent, quoi, ça m'étonnerait pas. Tester au bord de l'eau, mais m'étonnerait pas que ça sonne même avec du vent. Donc voilà, pourquoi pas level 3, voire level 2 pour de vrai départ. In the tonality of the detectors, we've got 4 tonality settings. So from the lowest to the highest, this being the highest, a bit less. There you go. Concerning the detectors as well, concerning the bite itself, what you can see as well is you've got a run and a drop back indication on the detector as well as on the receiver, which is very nice. So I'll just put a bit of volume, and as you can hear, there you go. The sound and the lights are not the same. So for run, for drop back, and you can see it on the receiver as well. A bite, I just. So on a bite, on a drop back. Voilà, donc pour vous démontrer aussi donc une des fonctionnalités du Mini Micron X, la fonction départ drop back, donc touche retour. Voilà, donc pour un départ, juste pour vous démontrer. Ceci sur le détecteur au niveau sonore, au niveau des LED, et pareil sur la centrale, niveau LED et niveau sonore. Un départ, et alors maintenant un drop back. Aussi une fonctionnalité vraiment intéressante du Mini Micron X.
Oh, another functionality of the Mini Micron X as well, concerning the LEDs. So we've got a low battery indication, which will indicate the charge level of the battery getting low. You will have got two flashing LEDs that will flash at constant intermittent times, showing the battery is getting low, but the detector is still usable. And the only way to reset that is to put new batteries in. Same for the receiver as well, with the same function. And what's also interesting concerning the receiver is every time you power it on, you will have four LEDs coming on and showing the battery charge of the actually of the batteries itself. So level 4 indicating a full charge and level 1 indicating a low battery, and yeah, time to replace them. Donc intéressant, on a une indication de batterie, niveau de batterie bas ou en décharge pour les détecteurs ainsi que pour la centrale. Donc au moment de, voilà, dès que la batterie tombe, devient un petit peu faible, le détecteur se mettra à flasher rouge par intermittence. Voilà, il est temps de changer les batteries. Et alors pareil pour la centrale, qui vous montrera aussi avec des LED rouges qu'il est temps de changer la batterie, ainsi que le niveau de charge de la batterie à chaque démarrage. Donc à chaque démarrage, vous aurez 4 LED qui vont s'afficher, 4 LED rouges. Voilà, 4 montrant une batterie, une charge complète des batteries, et niveau 1, une décharge, et donc le moment de remplacer les batteries. Concernant les LED, vu qu'on est en train d'en discuter, donc voilà, ici je le démontre avec le détecteur bleu, qui est un petit peu sensible du coup, voilà. Je vais mettre en silencieux. Voilà, donc le détecteur bleu, comme dit, mais avec des LED multicolores qu'on peut changer soi-même. Donc voilà, c'est pas qu'on achète un kit comme c'est la plupart... comme c'est le cas la plupart du temps, donc avec un détecteur rouge, un détecteur vert, un détecteur bleu, et ainsi de suite. Ici, on décide nous-mêmes de la couleur des LED. Pour ce qui est, we've got it in blue. Concernant les LED, donc vous voyez ici, voilà, bleu, central bleu. Et alors si maintenant, en restant appuyé sur le bouton du volume et en appuyant brièvement sur le bouton sensibilité, on peut changer la couleur des LED. So, on pressing the volume button and holding it, plus shortly pushing on the sensitivity button, you can switch the color from red, orange, green, and blue. And as you can see, so I was in blue. If I go to red, the color on the receiver will change to red as well. The place will remain the same, but the color will change. Now in orange, orange on the receiver as well, and green, same as well. So very nice feature on the Mini Micron X. Now on the level of illumination of the LEDs on the Mini Micron X, you can also change it with the 3 settings. Sur les LED en elles-mêmes du Mini Micron X, vous pouvez aussi changer le niveau d'intensité des LED, ce qui est vraiment pas mal en fonction de l'utilisation, de nuit, de jour, exposition au soleil. Pour ce faire, vous appuyez sur le bouton tonalité, vous restez appuyé dessus, puis vous appuyez brièvement sur sensibilité. To do so, guys, so you remain pushed and hold on the volume button, and then push briefly on the tonality button. So here being the minimum, the max, medium, and low. So really, really flashy on the highest one, and then really dim, like a bit of a night mode, I would say, on the lowest one. To note that there's no night mode on the Mini Micron X, so the LEDs will not remain illuminated the whole time. Donc important, pas de mode nuit sur le Mini Micron X. Voilà, les LEDs vont s'allumer au moment de la touche, mais après vont s'éteindre au bout de 20 secondes, mais pas de mode nuit. And the LEDs will remain on after a byte for 20 seconds. The receiver itself, you've got different volumes as well. So from the lowest to... to the highest. So very nice as well. Can demonstrate if you want. So this being the lowest. And this being the highest. Very, very loud indeed. Donc voilà, comme montré ici, différents niveaux de volume aussi sur la centrale. Go guys, so that was it concerning the presentation and unboxing of the Mini Micron X from Fox, Byte Alarms.
Voilà les gars, donc c'est terminé pour la présentation et l'unboxing du mini Micron X de chez Fox. Hope you enjoyed it and it helps, really helped, so I really hope so. Yeah, if you want to like the video and subscribe would, or comment as well, I would very appreciate it. And just let me know if you use them, bought them and if it works well. Voilà, donc merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Si jamais vous avez acheté les mini Micron X, vous avez eu des soucis ou bien vous en êtes content, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, c'est toujours apprécié. Et voilà, bah, merci beaucoup et une bonne journée. Have a nice day, guys.